Oui, hey, gentes dames et dames oiseaux, bienvenue chez votre seigneur Nico Ier. Hey, salut à tous les amis, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode du LP Féodal. J'espère que vous allez bien et j'espère que les gens vont pendant 30 secondes au moins arrêter de s'abonner à ma chaîne parce que je viens d'ouvrir mon OBS. Et j'ai dû recommencer deux fois le record parce qu'il y a des... Oh yeah! Des gens qui s'abonnent. Pourtant, j'ai coupé le son des... Quoi, j'ai coupé les alertes et tout sur mon... Entre guillemets, mon truc de scène là, des lives. Mais on l'entend quand même. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Hein, Tertus? Kenavo, hein? Comment ça va, Tertus? Hein? Hein? Bon, allez. Bon, c'est parti, vous avez vu, petit prélude là, petit prélude. Eh ben, entre les séquences filmées au replay mode et le travail en off pour tout décorer, eh ben, il y en a eu quand même pour pas loin de plus, un peu plus de 3 heures de boulot quand même. Allez, on y va. Alors, je vais vous montrer tout ça. Oh, avec les jolis shaders. Alors, il y a plein de choses qui ont changé. Il y en a qui ont dû le voir sur Twitter. Donc déjà, j'ai changé de ressource pack. Alors, j'ai pris un ressource pack bien gourmand des familles. Un 128 par 128. C'est le Chroma Hill. Alors, il est toujours en WIP. Donc, en Work in Progress. Voilà. Ah, il est beau, mon accent anglais. Hein. Alors, attendez, je fais comme les Anglais. Je bois mon petit thé. Voilà. Donc, première chose, c'est que le ressource pack a changé et je le trouve beaucoup plus beau. Et j'ai aussi un sky pack. Donc un pack de ciel aussi en 128 par 128. Donc là on voit pas grand chose, mais c'est surtout la nuit. Surtout. Voilà, sans les shaders. Alors là, je voulais juste vous montrer avec les shaders vite fait. Mais je pense que je vais repasser sans parce que ça consomme un petit peu. Et pourtant. Oui, bah vous me direz en même temps, j'ai mis des options graphiques, j'ai un petit peu d'anti-aliasing, je l'ai mis pas en x2. Voilà, vraiment pour avoir un joli Minecraft, j'ai aussi le Better Foliage qui consomme, etc., etc., etc. Donc vous voyez, j'ai du mal à atteindre les 60 FPS, et pourtant je suis juste avec vidéo setting, shader. Voilà, et pourtant je suis avec les chocs à pic en low, imaginez-vous. Les continuums, pareil. Avant, je pouvais me permettre de les mettre en médium, sans le sky pack, etc. Et avec le pack en 32 par 32 par Aurélien Sama, là, le Sama Faithful. Je pouvais me permettre de le mettre en médium, avec pas mal d'effets. Et là, je suis obligé de le mettre en low. Et pareil, j'ai du mal à tenir les 60 FPS. Mais regardez, sans shader, voilà, on est à... Bon, j'ai juste de lancer la partie, donc peut-être qu'il y a des chunks non chargés, c'est pour ça que ça baisse un petit peu. Mais on perd entre 1 et 5 frames, voilà. Mais on a quand même les 60. Mais c'est assez lourd quand même. Voilà. Alors, ben, je vais vous montrer ma haute cour du coup. Ah, regardez avec la petite déco, les petites feuilles et tout. Alors, une petite tour de guet. Le bâtiment de la garnison. Alors, ça, c'est le bâtiment. Des gens qui font leur... Oh, je vais appeler ça le service militaire, mais c'est pas trop ça. Mais voilà, il y a un mois de service à devoir par an au Seigneur, en plus de tout ce que on paye et tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Hein, voilà, il y a un mois de service actif, entre guillemets, de service militaire à faire au sein de la garnison du Seigneur. Parce que le Seigneur a sa garde royale qui dispose, allez... Grand max là dans le cadre de ce village ici, on va dire il y a un chef de la garde et allez entre 5 et 8 personnes qui sont pour lui à son service. Ah bah la nuit tombe, je vais pouvoir vous montrer le ciel du coup. Et bah tous les autres, ceux qui font un peu, bah cette garde là s'occupe surtout de la haute cour. Donc moi ma haute cour elle est divisée en deux, il y a cette partie là, vraiment la partie ici et celle-là. Et du coup, ici, on a un bâtiment de la garnison quand même, où les gens peuvent venir s'équiper. Bah voilà, donc il faudrait même que je mette peut-être des porte-armures, peut-être réduire cette table et puis mettre des porte-armures, des choses comme ça, des coffres. Ici, on a le dortoir, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est très spartiate, voilà, c'est un bâtiment pour la garnison, quoi, voilà. Et puis là, on a la petite porte qui accède justement ici, là.
où on a la petite souplette qui est en train de chauffer, le petit bois justement pour faire le feu. Voilà, on a des petits réduits, c'est un petit peu exigu, c'est pas mal. Voilà, alors regardez la nuit, le ciel il rougeoie là-bas et tout, etc. On a une lune un peu particulière qui va se lever. Je vais vous montrer ça, on va grimper là-haut. Mais avant, donc ici, on a le potager du Seigneur. Ici, les silos. Alors, les silos, regardez, on a du grain dans les silos. Donc, à l'intérieur, il y a des coffres très simples avec quelques hoppers. Un stockage très simple. Mais pour y stocker surtout des graines, du blé et de la paille. Donc, le blé, c'est. J'ai appelé ça blé, c'est ce qu'on récolte de là. Et la paille, c'est les blocs qu'on fait là, comme ça. Alors, regardez la lune que j'ai. Voilà, c'est pas une lune, c'est une planète. Alors, voilà, regardez le ciel. Oh, il est superbe. Hein. Moi, je kiffe. Quitte à tourner un tout petit peu en dessous des 60, etc. Mais je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors, si on regarde la planète, ça ressemble un petit peu à la Terre. Mais bon, quand elle est en forme de pleine lune, j'ai envie de dire, on voit bien que ce ne sont pas les continents de notre belle planète Terre. Donc voilà, on est bien dans notre petit monde, hein, voilà, tranquillement. Allez, bon, bah c'est de blabla, hein, on a déjà blablaté 7 minutes, dis donc, wow, ça passe vite. Ouh, ça passe vite. Voilà, donc bah, ma haute cour est finie. Alors j'avais un petit avis à vous demander. Un petit avis. Alors, je tourne cette intro juste le jour où je vais publier la précédente vidéo. Alors déjà pour la précédente vidéo, donc vous le saviez, savoir si dans dans cette partie-là ici de la haute cour, où il y a ici là le gros bâtiment de la porte, on remontait ou pas les trucs, donc c'est toujours pas fait parce que ben je publie qu'aujourd'hui la précédente vidéo que j'ai tournée. Donc voilà, hop, oui parce que ça prend du temps, donc ben, moi je filme quand je peux, hein, voilà. Là comme il n'y a toujours pas eu de commentaires là-dessus, c'est pour ça que c'est pas encore fait, on verra au cours de l'épisode. Et autre petit avis que je vais vous demander, ben, par rapport à pour l'épisode prochain, cette tour ici, cette petite tour de guet qui est au-dessus de la porte, vous voyez, moi je trouve qu'elle ça fait un peu bizarre qu'elle soit de la même taille que l'habitation d'à côté en fait. Ça fait un peu bizarre. D'un côté, ça fait un peu bizarre, mais d'un autre, oui, ça peut paraître legit. Parce que bon, la tour va pas faire non plus 10 mètres de haut. Hein. Même si là, techniquement, on est à peu près on a une grosse échelle hein, quand même. Pour le donjon, je sais pas si vous vous souvenez par rapport aux bases. Mais on est quand même à une échelle. On a plusieurs échelles différentes. Hein. Les maisons sont à une échelle 1,5 à peu près. Pour dire d'être quand même décorable et où on puisse passer. Mais le donjon, si vous vous souvenez bien, on a une grosse échelle. Hein. On a une échelle 3, je crois, si je me souviens bien, par rapport aux surfaces au sol qu'on avait calculées au tout début quand on l'avait fait. Donc voilà. Donc ici, bah, par exemple, à une échelle 1,5, on a 3 blocs. Donc on a 1,50 m. C'est ça, 1,5, attendez. Échelle 1, on aurait 1 mètre. Donc. Échelle 1,5. Oh, je sais plus calculer, genre. Oh, c'est n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, admettons, il y a 10 mètres. 1,5, ça fait 15 mètres de haut. Donc, je trouve que ouais, pour 15 mètres de haut, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Alors, par rapport à ce qui va se passer ici, je tourne cet épisode un peu à l'avance. Parce que le mardi 18, c'est mon anniversaire. Hein, et je vais streamer l'après-midi et le soir. Bah, quand vous verrez cette vidéo, l'anniversaire sera déjà passé et tout. Hein, donc, d'avance, je vais vous remercier pour tous ceux qui seront et qui étaient présents à cet événement, entre guillemets. Merci à tous. Et on jouera une partie, en tout cas sur le LP, et on ira farmer parce que je n'ai plus d'or. J'ai bouffé beaucoup, pas mal de steaks. Mais comme j'ai besoin d'énormément de paille pour faire mes toits, mes décorations, j'en ai négligé mes vaches, donc du coup j'ai presque pas de bouffe. Donc du coup, comme j'ai beaucoup de carottes, parce que ma ferme à carottes donne pas mal, j'ai tapé un peu dans mon stock d'or et je me suis fait des carottes en or pour pouvoir avoir une bonne saturation. Le temps de patienter d'avoir du blé pour ralimenter mes vaches. Et même là, le champ qui est derrière, je le récolte régulièrement pour donner aux vaches aussi. Donc voilà. Voilà. Donc,
Mais lors de cette session de live pour mon anniversaire, quand on jouera sur le LP, on ira miner comme des malades, on ira faire des cavernes, on ira faire des mineshafts, etc. Pour essayer de ramener un max de ressources. Voili, voilou. Bah écoutez, alors le sujet de l'épisode aujourd'hui, on va grimper dans le donjon, je vais vous montrer ça. Attendez, il faut que je vide les poches. Ça fait déjà 11 minutes que je parle avec vous, mais c'est pas possible quoi, faut que je me calme 2 minutes. Non, mais j'avais trop besoin de d'être avec vous, vous parler et tout. Je suis un moulin à paroles, mais je le vaux bien. Mais voilà, non, mais moi ça me fait du bien de pouvoir partager ce contenu avec vous, de discuter par l'intermédiaire de cette vidéo ou des autres, ou même des lives. Ça me fait vachement du bien, les gens, vous pouvez pas savoir. Bah ça fait du bien quoi, c'est tout, de pouvoir avoir une interaction avec vous. Surtout que j'ai pas une communauté de haters ni rien, j'ai une très bonne communauté. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire un gros big up et un gros GG, ma communauté. Voilà. Alors, bah, l'épisode d'aujourd'hui, voilà, on a une canne à pêche. Hop. Et d'ailleurs, il y a de la durabilité qui a sauté. Je vais devoir avoir une discussion avec une certaine personne. Parce qu'en fait, ce qu'il y a. Ah ouais, j'ai pas d'unbreaking aussi. C'est le seul truc qui va me manquer, c'est l'unbreaking. Mais je m'en fiche. J'ai du mending et puis on verra bien. Non! Bon, il me manquera un petit peu de ressources du coup. Ok, bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû mettre le mending avant. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Pour en tout cas la toute première vraie partie de l'épisode, je vais vous montrer ce qu'on va faire très rapidement. Ça sera une petite séquence timelapse, on se retrouvera tout de suite après. Ou j'enchaînerai les séquences, ouais, je pense que je vais enchaîner les séquences sur les différents chantiers à faire. Hop, alors attendez, attendez, je vous reprends tout de suite. Ok les gens, bon on est de retour. Oh, c'est la nuit. Alors je vais finir de blablater ici, tranquillement. Comment je vais orienter l'épisode? Je vais l'orienter comme ça en fait. Là je finis de blablater avec vous, on se retrouve pour toutes les séquences timelapse. Je vais vous dire très rapidement le boulot qu'il y a à faire. Et ensuite, une fois les séquences terminées, on se retrouvera juste pour la petite outro pour se dire au revoir. Alors, ici, vous le voyez déjà, premier chantier que je vais essayer de faire dans cet épisode, quoi, premier. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais on verra. Il y a des. Excusez-moi, le petit rototo du thé. Alors, il y a les petites billes de bois ici. Donc, si je fais J, je mets la minimap. Voilà, on les voit ici, là. Je regarde sur mon retour. Voilà, on les voit, parfait. Voilà. C'est un peu la forme que je vais donner au village. Voilà, je veux pas qu'il y ait des grands pans de mur comme ça, tout droit, ça fait dégueulasse. Donc là, ici, je vais contourner plus ou moins la clairière, comme ça, là. Et ici, je vais reterraformer un peu. Donc par rapport à ici, on redescendra un peu d'un niveau là. Donc ici, je vais shooter un peu la butte ici. Et là, l'étaler un peu là et tout, etc. Mais vous allez voir, je vais terraformer un peu le coin. Et on va se poser toute la barricade ici, là. Hop, voilà, jusque là-bas. Ça va être un des gros chantiers de l'épisode. Ensuite, oh, il est magnifique ce ciel hein, quand même. Ensuite, deuxième partie de l'épisode. Quoi, deuxième partie? Deuxième gros chantier qui aura lieu dans l'épisode. Je me dépêche, je me dépêche. De toute façon, on se verra après les grosses séquences timelapse pour se dire au revoir. Au revoir. On fera un petit tour vite fait et puis voilà. Alors, que j'ai commencé à me constituer une canne à pêche, mais il n'y a pas assez d'XP. Mais voilà, vous l'aurez compris. Voilà, j'ai une ferme à pêche. Donc ici, on va se faire une toute petite cabane. Vite fait, hein, semi-ouverte. Voilà, où on stocke du matériel. Il y aura pourquoi pas des petits bateaux. Et puis là, un petit ponton avec des petites barques aussi, voilà, pour simuler un petit peu ça. Voilà, hop. Voilà, donc là ici, il faudra descendre avec une échelle. Mais bon, voilà, j'ai fait la petite cabane et puis j'ai rebouché ici, je suis remonté. Hop, donc voilà, petit design bien sympathique. Donc on testera tout ça. Voilà. Et ensuite, bah, il y aura pas mal de petites choses à côté à faire. Déjà, tant que je terraforme tout, que je fasse la clôture, on fera peut-être la porte ici. Je sais pas, on verra. On verra si on fait la poporte ou pas. La grosse poporte. Mais je pense que... cette partie-là vont peut-être sauter pour avoir la grosse poporte ici en fait. Ouais, on verra. On verra comment on s'organise du coup les gens. Voilà. Hop, c'est nickel.
Et ben voilà, et ben moi je vous propose une chose, et regardez d'ici quand même, avec l'aménagement, ça commence à avoir une sacrée goule quand même. Hein. Regardez. Avec les bâtiments. Ouais, il y a juste ça. J'aimerais bien savoir, de toute façon je vais le savoir, hein, s'il faut remonter ou pas, et vous le verrez d'ici la fin de l'épisode, je pense. Allez, ouais, sur ce, moi je vais vous laisser, parce que j'ai un peu du boulot. Il va falloir que je répare un peu mes outils aussi. Aux zombies. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais tout réparer pour que tout soit à bloc. Et on se retrouve donc tout de suite avec la joie du montage, avec les séquences de timelapse. Oh les chunks. Allez, à tout de suite. On est de retour pour clôturer cet épisode. Et oui, déjà la clôture, ça passe tellement vite. Oh, avec ce beau soleil bien chaleureux qui se lève. Voilà, on va clôturer tout simplement l'épisode. Allez, mouton. Ouais.
Eh ben, dans cet épisode, j'aurais pas réussi à faire tout ce que je voulais. J'aurais voulu au moins monter à palissade jusqu'au bout, mais bon. Là, je suis en train de me demander si je vais pas remodifier un peu le design. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Et ben, j'ai pas fait la porte. Manque de temps. Manque de temps et éviter aussi que l'épisode dure trop longtemps. J'ai un peu beaucoup papoté dans la première partie, mais vous le savez, hein, je suis un petit peu un moulin à parole, hein. J'aime bien un peu échanger avec vous, etc. Bon, même si c'est par l'intermédiaire d'une vidéo avec du vocal de mon côté et de l'écrit pour vous dans les commentaires. Mais bon, voilà, c'est mon petit côté social, hein, mon petit côté ouais, papote social et qui ressurgit. Bon, c'est pas bien grave, on va pas m'en vouloir, hein, de vouloir absolument bah, échanger un max avec ma communauté, hein. Au contraire, je pense qu'on m'en voudrait plus si j'avais été un gros connard et que je m'en foutais pleinement de la communauté. Et je pense pas que j'arriverais à plus pratiquement 1000 abonnés en étant un gros connard. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est pas ici à des fêtes. Mais ce que vous avez vu, c'est qu'il y a eu quand même du gros, 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 gros travail au niveau de la haute cour. Bon, je vous le rappelle, hein, tout est designé, entre guillemets, dans ma tête, quoi. Je me suis inspiré de peut-être 2-3 illustrations pour savoir un petit peu où je partais au tout début avec mon style de construction. Mais là, je suis complètement en mode YOLO, je suis plutôt fier de moi parce que vous pourrez demander à ceux qui me connaissent depuis longtemps. Il y a encore peut-être, allez, 2 ans de ça qu'est-ce qu'il fout là au lit? Même mes constructions en survie, même mes petites constructions, je me basais absolument avec des photos, des illustrations. Voilà, là je trouve que je prends un peu plus d'aise au niveau de la création. Et c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Les inspirations, je les avais prises au tout départ avec la tour maîtresse, voir comment, quel style j'allais utiliser, comment j'allais pouvoir. Sachant que c'était. Quelque chose qui était très simple de construction. Mais moi, comment j'allais mettre par exemple un peu de relief, etc. pour pas que ce soit tout plat. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Après, ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui aiment pas, bah, vous avez le droit de pas aimer, hein. Moi, il y a des choses chez les gens que j'aime, des choses que j'aime pas. Donc voilà, c'est vous êtes libre. Voilà. Bon, en tout cas, je voudrais vous remercier à toutes et à tous pour encore avoir regardé cet épisode, pour le liker, pour le partager. On va manger un petit peu parce qu'on va crever de faim autrement. Voilà. Je vais remettre en F1 parce que c'était tellement beau le full screen comme ça. Regardez, hop. Donc n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à liker. En tout cas, je remercie encore tous les nouveaux abonnés de la chaîne, les tipsters en live. Merci, merci à vous tous. Merci pour tous vos commentaires, vos messages de soutien qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite à tous de très bonnes choses. En tout cas, l'épisode, vous l'avez vu, il est sorti avec 24 heures de retard, hein. Il aurait dû sortir mercredi soir, logiquement, mais bon, on n'est pas à 24 heures près, puis voilà quoi. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous. Ici, j'ai toujours pas eu de retour, donc pour le prochain épisode, eh ben, je remonterai à mon aise, en fait. J'ai envie de remonter à Palissade, donc je la remonterai. Bon, j'ai pas eu d'interaction sur ce point de vue-là. Est-ce que les gens n'avaient pas particulièrement de point de vue à donner? C'est possible aussi. Donc voilà, mais en tout cas, pour les autres interactions, qu'elles vous répondaient, etc., favorablement ou défavorablement, je voudrais vous remercier. Je vous fais à tous en tout cas plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Des bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et en tout cas, nous on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux lives ou de nouvelles vidéos. Pour plein de nouvelles aventures. Vous avez vu, il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent. Il y a Amazia avec bah, le serveur de Jody Dreams. Et oui. Et il y a aussi Haven Colony qui est arrivé sur la chaîne. Donc merci encore à Instant Gaming. Merci à eux. Je pense sincèrement envisager d'ici la rentrée le partenariat directement avec eux en mode rien à foutre, on verra. Je leur enverrai tout ça. Allez, en tout cas, merci à vous tous. Plein de gros bisous et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Et comme dirait l'autre, la suite au prochain numéro! Yeah! Allez, tchou tchou!